Et salut à tous, ici MexperBound pour une autre vidéo de découverte sur Huntown, un jeu de survie. Comme vous voyez, c'est mon personnage. J'ai dû me faire tuer, je me suis fait tuer en présentant une vidéo, mais j'ai dû recommencer comme là en ce moment, donc vous avez rien vu qu'est-ce que j'ai fait. Et par la suite, on va aller tout de suite starter la game. J'espère pas qu'ils plantent parce que je parle, ils ont un petit peu de la misère de jouer à ce jeu là. Frapp dirait qu'il fait juste bugger le jeu. Donc il y a 4 niveaux de difficulté, 3 réalités. Dans le fond, il y a normal, easy, hardcore. Et si vous êtes un compte premium, donc pour 5$, parce que le jeu y est gratuit sur Steam. Vous avez des affaires exclusives un peu, plus de skins pour tout votre bonhomme, et 2 items en partant quand vous commencez en mode gold. Donc, et on a le choix des... Ok, c'est au Canada, ce jeu-là, c'est fait par un seul créateur, donc c'est un jeune de 16-17 ans. Il est tout seul à faire ça, donc... vous voyez, c'est graphiquement cartoon ou bande dessinée, ou des petits bonhommes comme on dit. Vous commencez avec absolument rien, vous avez des skills, des points d'expérience. Comme j'ai 6 parce que j'ai joué, je me suis fait mort, j'avais pas mal, j'avais des guns et tout ça. Vous pouvez crafter, bien sûr pour crafter, il faut que vous avez des points en crafting pour avoir plus de... habilité de crafting pour... unlocké ou je sais pas trop. Et je vous dis, le jeu il est très dur, même en normal vous faites tuer plus rapidement possible. Là, comme ce qui commence à faire noir, qui est pas vraiment super. Le jeu peut jouer en ligne aussi, mais je joue en solo. On va aller à la ville, une ville que j'ai déjà visité auparavant. Parce que vous pouvez pas vraiment effacer votre game, c'est... ça paraît souvent, les zombies reviennent souvent. Fait que là, c'est mes points que j'utilise, faut attention pour que je me fasse toucher. Ah ouais. Les zombies sont plus actifs le soir. Ok, c'est un crawler, demandez. Touche-moi pas. On essaie de reculer possible puis donner des coups de poing. Faut aussi fouiller pour commencer les affaires. Là, il fait très noir. J'ai peux pas augmenter le brightness. C'est vraiment pas plate, mais poche un peu. Regardez mon bonhomme de même. De l'eau, c'est toujours important parce que vous avez, si vous remarquez en bas, il y a de les, votre vie, votre barre de nourriture, votre eau, de radiation et cache-cou de la stamina. On va rentrer ici. Faites toucher. Ok, vous êtes pogné, tant mieux. Oh, 1000 piastres et 15, c'est pas pire. Okay, ça, on dope ça, ça, ça. On boit un petit gorgée. Tu crois que ça c'est un bug? Ok. C'est une plante ici qui est rentrée dans la maison. Oh, une pizza, je peux se le prendre? Non. Oh shit. Elle fait très mal. On va mettre des points au plus vite. Non, pas ça, je vais mettre. Bon. Sneaky boy. Ok, tu fais moins accro par les monstres, mais... c'est tant mieux. Oh, une flashlight, on peut voir. Hein? Non, j'ai plus de flashlight. Il faut que je trouve la bouffe. Oh yeah, un shotgun.
C'est quoi ça? Une canne de quoi? Une canne vide? Pour ouvrir le frigo. Je disais que c'est fait noir, mais j'espère qu'il va faire un jour. C'est pas vraiment idéal comme jeu. Dans le noir. Je vais mettre une flashlight. T'as vu de quoi? Oh, c'était pas bien bon ça. Un sac à dos, bon, on peut embarquer dans les véhicules bien sûr. Bon, c'est quoi ça? C'est pas... Du coup, je suis pas... Ah! Putain, je pense que j'ai bouffé, je suis... décédé. Bon. On recommence, on a-tu perdu nos stocks? Nos XP aussi. C'est le galère, puis on voit absolument rien. Puis je peux pas faire un slash day ou time ou whatever. C'est vraiment stupide. Là on voit rien, je peux faire aggro n'importe comment, comme là. Ça va pas chier. Comme je vous dis tantôt, c'est un jeu très difficulté de survivre. Puis le but se rendre loin. Donc c'est un jeu gratuit. Je dirais un jeu pour 16 ans et plus. Je sais que des enfants jouent à ça, mais que j'ai enfant 13, 12 ans, 11 ans minimum. Oh putain! Oh, tu t'es pas capable de tuer. J'avais un shotgun puis j'suis encore mort. Bref. On est ici un petit peu parce qu'on voit un petit peu mieux. Je vous laisse là-dessus sur du noir et blanc. Il y a un peu de vert et de jaune. C'est vraiment un jeu très difficulté. Pour un jeu gratuit, c'est le fun, mais... Moi je dis ça prend moins 2-3 heures à jouer puis s'habituer puis à moins de vous en sortir parce que moi je m'en sors pas très bien. Au début j'avais un beau bonhomme, ben je me suis tué par une vague de zombies. Bref, je vais mettre ça peut-être dans un bonus final dans ma fin de vidéo. Et moi je vous laisse ici. Donc je sais que vous avez pas vu grand chose, mais moi je vous dis, allez voir d'autres vidéos de youtubeurs, soit anglais ou français que vous voulez. Eux autres ont peut-être plus de progression de jeu que moi, parce que là pour le moment, j'aurais pas me faire tuer comme vous voyez. Ou il n'y avait pas vraiment des items à porter comme des armes ou quelque chose. Donc portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut! Oh shit! Non, non. Wow. Je recommence à jouer, puis 1 million de zombies.